Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, première nouvelle revue de luxe qu'on va enfin retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente, l'inspi m'est revenu. C'est vrai que j'avais du mal à vous faire des revues de luxe parce que j'en consommais moins, qu'il y avait moins de pièces que je voulais vraiment avoir. L'inspi m'est revenu, je me suis sentie de nouveau inspirée. Donc si jamais tu veux en atterrir sur cette chaîne YouTube, je te souhaite la bienvenue. C'est une chaîne 100% mode, luxe, tips et évidemment lifestyle. Si le contenu de luxe t'intéresse, je t'invite à poursuivre le visionnage de cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications et également à venir t'abonner à mon compte Instagram. J'y travaille tous les jours et il y a pas mal de contenu qui arrive avec des choses très intéressantes pour vous. Bref, assez de blabla. On se retrouve donc aujourd'hui pour, comme vous le savez si bien, la revue de luxe qui est comment investir dans des belles pièces de luxe. Qui dit investir dit ne pas perdre de la qualité, prix de son investissement et que la pièce prenne de la valeur et à l'inverse qu'elle n'en perde pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer selon moi les articles qu'il faut acheter ou pas. Alors ça va pas être une revue de marque, ça va être une revue globale par catégorie, c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner tous les modèles que je pense être un investissement sur le long terme de toutes les marques, mais par contre, je vais vous donner les catégories. Et la première catégorie, qui est selon moi une des plus importantes, on va commencer par la principale parce que c'est grâce à celle-ci que vous m'avez connue sur YouTube, c'est la catégorie de la maroquinerie. Qui dit maroquinerie dit toutes ces chaînes de haute couture, mais également en ressort Chanel et en ressort Hermès. Si on revient il y a 3 ans en arrière, je vous aurais dit la première chose dans laquelle investir, c'était les montres. Aujourd'hui, je pense que avoir une montre de luxe telle Rolex, comme par exemple Rolex, c'est tellement démocratisé, il y en a tellement eu, il y a tellement eu un essor énorme sur la demande de montres, ainsi que malheureusement beaucoup de drames avec les vols à l'arraché, etc. Moi je sais qu'il y a 2 ans on était en vacances à Saint-Tropez avec mes parents et des amis et il y a un homme sur la place des Lys qui s'est fait arracher devant nos propres yeux sa montre et il faut savoir que c'est très surveillé. Saint-Tropez, il y avait carrément des gendarmes hein, sur la place, mais ça n'a pas suffi. Malheureusement le monsieur s'est fait arracher et hormis ça le docteur de la famille, ma famille fait tabasser aussi pour une Rolex. Donc je pense que tout ça fait que forcément le marché a chuté et que les gens ont commencé à moins vouloir porter Rolex parce que c'était vraiment un signe ostentatoire qui faisait que du coup on n'a plus envie de les porter pour ne pas craindre de se faire tabasser. Par exemple moi je les porte beaucoup moins que forcément ça fait peur et puis on laissait certaines personnes puisqu'il y a eu des centaines de cas, peut-être des milliers même, qui se sont retrouvés tabassés en bas de chez eux. Je trouve ça assez délirant. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je ne peux pas vous parler de montres et d'investissement dans la montre, à moins peut-être d'en acheter mais des vintage. Mais ça j'ai pas envie de trop m'avancer, donc je préfère pas trop aller dans le sujet et vous dire une bêtise. Pour moi les montres pour l'instant on est en red flag, il vaut mieux éviter. Par contre on va revenir sur nos sacs à main avec la maroquinerie. Et je pense comme vous le savez toutes très bien qu'il y a quelques marques selon moi qui sont des marques très ostentatoire aussi, mais très connue, très luxueuse, élégante au possible et surtout un produit qui est toujours reconnu de rare aujourd'hui. En fait, je vais vous citer 3 marques qui, selon moi, seront des investissements. La première, c'est bel et bien évidemment, je pense que vous devez forcément vous en douter, la maison Hermès, évidemment. Comment faire cette vidéo sans parler d'Hermès? C'est quasiment impossible. Forcément, le Birkin, le Kylie, surtout. Mais je pense que tous les autres modèles prennent également et prendront également de la valeur aujourd'hui. C'est vraiment un investissement, on le voit depuis bien 3 ans maintenant, quasiment plusieurs fois par an, tous les sacs prennent de la valeur. C'est-à-dire que vous pouvez l'acheter en début d'année et clôturer l'année avec un sac qui aura pris au moins 1000 euros au minimum. Et ça c'est extra. Donc pour ces modèles là, chez Hermès je vous conseillerais plus précisément le Birkin ou alors le Kelly parce que pour moi c'est vraiment des valeurs sûres et c'est vraiment un objectif de vie, genre une case à cocher d'un jour réussir dans la vie et de pouvoir s'offrir son propre Birkin ou Kelly. Je trouve ça juste hyper satisfaisant. Ensuite, seconde maison haute couture dans laquelle vous pouvez également investir, je pense que c'est Chanel. Je ferai une revue sur le Chanel puisque j'ai pas mal de choses à dire finalement sur le modèle timeless que j'adorais, dont je vous parlais depuis maintes et maintes fois. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Mais néanmoins, le timeless de chez Chanel, le jumbo, tout ça, reste
un bel investissement car on l'a encore vu, les prix ont augmenté la semaine passée. Donc vous pouvez y aller, c'est un sac que vous achèterez sûrement à ce jour maintenant 10 000 euros et que vous pourrez sûrement revendre au moins 15 ou 20 000 euros si vous lui conservez quelques années en un état quasiment comme neuf, je vous le signe. Et évidemment l'autre tip c'est de pouvoir acheter de la seconde main un sac Chanel qui est en état quasiment comme neuf et d'après pouvoir le revendre aussi et là vous aurez une marge encore plus intéressante. La dernière maison de haute couture que je voulais citer pour un investissement dans la maroquinerie, c'est selon moi tout ce qui est intemporel, et qui dit intemporel c'est Louis Vuitton. Dans Louis Vuitton je ne cite pas tous les modèles parce que selon moi il y a plein de modèles qui perdent de la valeur d'après mes petites recherches, mais je pense que si vous voulez investir dans la maroquinerie de luxe chez Louis Vuitton, il faut aller dans les intemporels, tout ce qui est avec du damier, de la toile de monogramme, avec les sacs comme le Neverfull, le Keepall, le sac de voyage ou encore le Speedy, qui sont vraiment des modèles intemporels de la marque qui existent depuis les débuts de la marque, qui font que forcément c'est des modèles qui sont toujours demandés, toujours prisés et qui ne perdent pas et qui prennent également d'année en année. Je sais que moi mon Speedy je l'avais vendu parce que je n'avais pas voulu prendre celui avec la bandoulière, je l'ai regretté. Mon Neverfull je l'ai toujours, c'est vraiment mon compagnon de voyage, et le Keepall pour un week-end de 24h ou 48h c'est toujours un plaisir de l'avoir et il est juste majestueux. Donc pour la maroquinerie c'est là que je voulais en venir. Ensuite, évidemment, deuxième, ce qui ressort, c'est pour moi la joaillerie. Quand je dis joaillerie, je parle des maisons comme Cartier en joaillerie. Je parle de Van Cleef, je parle de même Bulgari, je parle de toutes ces marques-là. Messica, j'ai un doute, mais en tout cas, de toutes ces marques-là qui sont aujourd'hui devenues des emblèmes phares de la joaillerie, qui proposent des sélections et des produits des plus prestigieux. Aujourd'hui, l'or, ça vaut beaucoup, ça ne cesse d'augmenter. Et surtout, ce qui est bien avec l'or, c'est que ben, ça ne se dévalorisera jamais. Donc si un jour, vous avez envie d'investir, je vous conseillerais amplement d'aller vers de l'or au fur et à mesure des années, qui en prendra forcément parce qu'il y en aura de moins en moins. La joaillerie, j'adore en ce moment le bracelet classique hein, de chez Van Cleef avec les trèfles, le bleu et le vert. Ils me font plus que de l'œil, mais les budgets font que forcément on y réfléchit à deux fois et que du coup à ce jour je ne l'ai pas et que je ne l'aurai pas de suite. Ensuite chez Cartier, ben forcément je vous dirais d'aller sur le Love ou sur le Juste un Clou hein, qui sont juste incroyables. Et la troisième marque que j'aimerais bien vous citer en joaillerie, c'est Tiffany & Co. Car je suis tombée clairement amoureuse, mais quand je vous dis amoureuse, c'est le mot amoureuse n'est pas suffisant, du jonc qu'ils ont fait. Alors je sais juste qu'il coûte 2 000 euros, mais je ne connais pas la ref exacte. C'est pour ça que je vais vraiment vouloir tout vous incruster dans la vidéo, au moins vous verrez directement de quoi je parle. Celui-ci est juste incroyable, vous l'avez en or blanc je pense et en or jaune, et il me semble même qu'ils y sont en or rosé, mais ça j'ai un doute, donc c'est à vérifier. Mais juste incroyable, on est vraiment sur une manchette et il y a vraiment quelque chose de plus, enfin qu'on retrouve pas dans les autres joncs. Ils ont fait quelque chose vraiment d'élégant, j'ai adoré. Là c'est encore un budget un peu moins on va dire quand même que le Valif, mais on est quand même sur un budget assez présent hein. On va pas le louper. Dernière catégorie qui selon moi est un très bon investissement dans tout ce qui est haute couture. D'ailleurs est-ce qu'on en parle que je vous parle de haute couture, je suis en suite, j'aurais pu faire un minimum d'effort. Et puis au pire c'est fidèle à moi-même hein. La dernière catégorie qui est du coup les ceintures, et qui dit ceinture dit forcément maison Hermès. Je vise clairement Hermès pour les ceintures et aucune autre marque, parce que pour moi c'est la marque la plus élégante en ceinture, qui arrive à des touches tellement fines, tellement raffinées à leur ceinture que ça en devient un bijou qui vous sublime une tenue. Et bah d'ailleurs je trouve que de toute façon même les bijoux et joaillerie d'Hermès ne perdent pas de la valeur et ils en prennent, parce que la classique, la croisette ou même les chaînes là, les trois chaînes, elles ont augmenté. J'avoue je les mets plus du tout et je les trouve beaucoup trop vues et revues, donc je pense même m'en débarrasser. Je pense que je vais même les vendre, mais en fait j'hésite à les garder pour ma fille hein, si j'ai une fille un jour, ou ma nièce je sais pas, mais bon je pense que je vais les vendre parce que ça sert à rien, elles dorment dans mon dressing et je ne les mets pas du tout. Mais bon ça c'est à voir, je vous tiendrai au courant pour ça si jamais ça peut vous intéresser de les acheter. Et la ceinture Hermès elle apporte déjà, ce qui est bien c'est que le cuir est réversible, donc vous pouvez soit apporter une touche de couleur, soit avoir quelque chose de plutôt neutre comme du gris, comme du taupe, comme du noir ou même du beige, et de l'autre côté avoir du orange, parce que qui dit Hermès dit orange forcément. Sauf que donc elles ne perdent pas de valeur et qu'elles sont tellement intemporelles, elles ne vieillissent pas au fur et à mesure des saisons, c'est quasiment les mêmes qui relancent, et c'est pour ça que je pense que vous pouvez investir dans les ceintures, parce que vous les revendrez toujours
soit à la hauteur de ce que vous avez investi dedans, ou soit plus. Et donc ça, c'est hyper important. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on peut vraiment garder sur les années, qui ne se démodera pas. Je pense avoir fait le tour des trois catégories aujourd'hui dans lesquelles je pense, pour moi, c'est un bon investissement. La maroquinerie et pas toutes les marques de haute couture. La joaillerie et forcément les plus haut de gamme, parce que l'or en soi ne perd pas. Des fois, dans certaines marques, par exemple Ginette, chez Ginette, on achète un bijou qui va nous coûter un collier qui va peut-être nous coûter dans les 500-600 euros. Néanmoins, si on pèse au gramme de l'or, il n'y a rien. Donc là, la rentabilité n'y est pas forcément. Donc c'est pour ça qu'il faudrait mieux aller dans des intemporels, dans des vrais basiques qui vieillissent. Après, même les manchettes de chez Hermès en soi ne perdent pas de valeur. Et puis la dernière catégorie qui est forcément, du coup, comme je viens de vous le dire, les ceintures de chez Hermès. Dites-moi si je me trompe et s'il y a une autre marque qui pourrait être aussi bien placée que Hermès en ceinture, mais je ne pense pas. Donc voilà, écoutez, j'en ai fini ici pour cette vidéo. Je suis trop contente de reprendre les vidéos de luxe parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont arriver concernant le luxe. J'ai pas mal de choses à vous montrer aussi, avec des unboxings, des cadeaux de Noël, bref, plein de choses. Donc écoutez, je vous invite à rester actifs, à ne louper aucune de mes vidéos, à me suivre encore une fois sur Instagram, à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo, si vous pensez que je fais fausse route ou pas. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.